vous asseoir dans sa présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique, mais nous aimons dire bienvenue dans cette représentation diplomatique et extraordinaire du gouvernement des cieux. Nous vous saluons ce matin dans le nom du chef du gouvernement de l'univers, Jésus le Christ. Jésus de Nazareth, le Messie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, avant de commencer dans le message du jour, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour la semaine qui s'est achevée. Cette semaine, Dieu nous a fait la grâce de nous tenir dans sa présence à chaque midi en prière. Nous sommes reconnaissants. Dis Amen. Amen. Pour chaque matin en prière, nous sommes reconnaissants. Pour chaque église de maison, chaque groupe d'impact pour vendredi, nous sommes reconnaissants. Il y a des endroits où on ne peut même pas se rassembler. Il y a des endroits où c'est interdit même de se rassembler, interdit d'avoir des attroupements pour honorer Dieu, pour célébrer Dieu. Mais dans ce pays, par sa grâce, nous avons cette capacité, cette grâce. Et nous ne voulons pas prendre cela comme étant un acquis. Nous sommes reconnaissants. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je tiens aussi à bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Anissé, parce que chaque mercredi, jeudi, vendredi, à chaque matin, je suis les matins en prière, mais à distance, mais je suis les matins en prière. Et je voudrais bénir Dieu pour le thème dans lequel le Saint-Esprit nous conduit. Il nous rappelle constamment les mêmes choses parce que cela nous est salutaire. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'il y a parmi vous ceux qui viennent en général un matin en prière? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent un matin en prière ici? Pouvez-vous... Moi, je ne suis pas là tout le temps, mais moi je suis. Bon, toi, tu n'es pas là, puis tu ne suis pas. Tu rates beaucoup de choses que Dieu dit, que Dieu enseigne. Chaque matin, un matin en prière, on prend le temps d'enseigner la parole de Dieu et on prie quelques minutes sur la base de la parole. Il ne faut pas seulement prier, il faut d'abord entendre la parole, comprendre la parole et puis après prier. Quelqu'un dit Amen. Sinon, on va faire comme des robots qui prient, mais ça ne change jamais. Non, quand on prie sur la base de la parole, la prière devient facile. La prière devient détendue, sans stress. On règne, on ne fait pas d'exploit, on ne fait même pas d'effort, on domine sans faire exprès. Quand le diable se lève, on le réprime sans faire d'effort, sans problème. On le remet à sa place sans problème. Quand on dit que la sorcière va mourir, c'est parce qu'elle va être démolie dans tout ce qu'elle est en train de faire, sans problème. Je ne peux même pas imaginer, je ne peux même pas croire quelqu'un qui était un sorcier. Ça ne passe même pas dans ma tête, ça ne passe pas. Nous sommes le peuple acquis. Écoutez, voilà pourquoi il faut écouter la parole. 1 Pierre 2, verset 9 dit, vous êtes la génération choisie. Ou encore il dit, une race élue, une génération. Est-ce que tu sais ça veut dire quoi? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ça veut dire un peuple que Dieu est venu chercher. Toi. Dieu est venu nous sortir pour faire de nous son peuple. Quelle valeur tu as aux yeux de Dieu quand tu es le peuple. Et ce peuple-là, s'il n'est pas ignorant, s'il est rempli de connaissances, de révélations, il est indestructible. Il est imperturbable, il est imbattable. Satan le sait, je le sais, Dieu le sait. Et toi, tu dois en être conscient. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi le problème, ce n'est pas le nombre de sorciers qui se lèvent contre l'Église. Non. Quand ils se lèvent, ça veut dire que Dieu a décidé de les sauver ou de les juger. Quiconque se ligue contre moi ou contre l'Église sur laquelle Dieu m'a établi berger, tu viens de te lever contre toi-même. Mais en vérité, il y a deux cas. Soit tu vas être comme Saul de Tarse. Tu vas devenir un véritable témoin de Christ. Après avoir servi le diable, tu serviras Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ou bien tu connaîtras la mort. Il y a deux options. Il n'y en a pas une troisième. Si tu vis et tu sers Dieu, tu te repens ou encore tu connais la mort. C'est toi qui choisis. Nous, on est calme et détendu. Oh oui, on est détendu. J'ai cherché dans toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Je n'ai jamais vu un passage où on dit que Satan a gagné. Je n'ai jamais vu. Il faut me montrer. Montrez-moi. J'ai étudié dans le grec, dans l'hébreu. Le français, l'anglais, j'ai même vu un passage où on dit que Satan a pu, ou un sorcier a pu triompher. Non, non, c'est impossible. Surtout pas depuis que le sang. Gloire à Jésus. Depuis que le sang de notre Sauveur, notre Rédempteur a été versé abondamment pour nous, non, il n'y a pas de problème. Dis à ton voisin, tout va bien. Non, dis-le lui de tout ton cœur, tout va bien.
Quel problème tu veux me donner? Quel problème tu vas me donner? Quelle flèche tu vas lancer? Sur qui? Pour Rika, tout ça. Mon frère, sois tranquille. Là, je te parle de la foi, sois tranquille. Nous sommes en train de parler depuis plusieurs mois, toujours, nous sommes sur le thème de conquérir notre héritage. Beaucoup d'entre nous, nous avons commencé à conquérir notre héritage. Pas à pas, domaine par domaine, secteur par secteur. Tu vas conquérir ton héritage, tout l'héritage que Dieu t'a appelé à vivre dans ta vie. Tu vas le conquérir. Si je parle à quelqu'un, dis amen. Nous sommes en train de conquérir notre héritage. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin dans ce lieu? Si tu as cru en Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, Romains 8, 17, ça veut dire que tu es héritier de Dieu. Si tu es un héritier, donc tu as un héritage. Mon ami, tu vas vivre ton héritage pleinement. Et pour conquérir cet héritage, parce qu'il faut le conquérir, le monde des ténèbres est déterminé de plus en plus, je le vois bien, à s'opposer à tout ce que Dieu veut faire. Et avec l'Église, et avec toi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es en train de comprendre l'importance d'engager la force. Ne sois pas un mou, un timide, un peureux. Il n'y a aucune place pour la peur dans le royaume des vainqueurs. Non, il n'y a que de la place pour les braves. Et quand je parle, l'esprit de bravoure remplit ton âme, remplit ton cœur. Quand je parle, l'esprit d'audace et de courage te prend et te saisit. Les gens comme les Gédéons, c'était des trouillards. Dieu en a fait des vaillants héros. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de foi. Si tu reçois ces paroles par la foi, dis amen et reçois-le. Il est en train de nous dire à quel point pour prendre l'héritage, il faut engager la force. Et nous sommes en train de parler de la force de la foi. Engager la force de la foi. Sans la foi, tu ne peux rien prendre. Mais quand tu as la foi, tout ce qui était impossible devient possible. Il a dit, ayez la foi de Dieu. Nous avons vu ensemble que quiconque est né de nouveau possède une mesure de la foi de Dieu. Maintenant, ta responsabilité, c'est de faire grandir cette foi. La foi ne grandira pas sans adversité. La foi ne grandit pas sans adversité. La foi ne grandit pas sans opposition. La foi ne grandit pas sans challenge. La foi ne grandit pas sans problème. La foi ne grandit pas sans histoire. Non, non et non. Il ne faut pas croire que la foi, on parle, puis rien ne se passe. C'est faux. Quand on te parle de la foi, tu vas devoir exercer ta foi dans les situations de la vie de tous les jours. Voilà pourquoi j'ai dit que ta foi sera connue. À quel moment on connaît ta foi? Lorsqu'elle fait des exploits. Lorsque le vent se lève et tu le calmes, on dit, il a exercé la foi. Quelqu'un dit un bon amen. Ah oui, mon ami, ICC Brazzaville, votre foi sera connue dans le monde entier. Ah ouais. On est d'accord. Le petit de 17 ans, là, il peut faire des exploits. Ah oui, mon ami, avec Dieu, ce n'est pas une question d'âge. Il n'y a pas d'âge avec Dieu. L'esprit né de nouveau, il n'y a pas une question d'âge. Je suis né de nouveau. Je grandis en Christ. Je mûris en Christ. L'âge physique n'est pas important. Ce qui est important, c'est la maturité spirituelle. Quelqu'un dit amen. Donc nous avons vu ensemble qu'il est dangereux de vivre et de marcher avec la petite foi. Avec la petite foi, on peut faire beaucoup de choses, c'est vrai. Mais on est en train de voir combien il est dangereux de vivre et d'opérer avec une petite foi. Et une foi qui est petite produira souvent des petits résultats. Mais une foi qui est grande produira de grands résultats. Et toi, tu as été appelé, parce que tu es en Christ, à opérer dans le monde avec, en produisant de grands résultats. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de t'emmener à faire. Il n'y a personne ici qui est sincère et disposé, qui veut honorer Dieu, qui connaîtra la ruine, l'échec, la cacophonie, la honte, la confusion. Non, Jésus t'a déjà délivré de ces choses. Et il te faut comprendre ce que Jésus a fait et il te faut le récupérer par la foi. Quelqu'un dit amen. Nous avons vu finalement, cette petite foi se manifeste par quoi? Par les inquiétudes, par les soucis. Quand on te voit plein d'inquiétudes et plein de soucis, ça veut dire que ta foi est encore petite. Elle est encore petite, elle est encore fragile, elle est encore faible. Quand on voit que tu réagis beaucoup par la panique, par la peur, tu pleures bêtement, tu t'angoisses, tu t'agites, tu soulèves la poussière.
Ce n'est pas que tu n'as pas la foi, non, c'est qu'elle est là, mais elle est encore très fragile. Quand on voit que tu es toujours gagné par le doute, tu doutes, tu doutes, tu raisonnes trop par rapport à la parole de Dieu, ça veut dire que ta foi est encore fragile, petite. En réalité, le doute, les inquiétudes, la peur, les angoisses font partie. Ce sont les membres d'une même et seule famille. Dis avec moi, les membres d'une même famille. Oh, ah bon? Oui. Les inquiétudes, les soucis, la peur, les angoisses, le doute font partie d'une même famille. Ce sont ce sont des frères et des sœurs d'une même famille. Mais quelle famille? Une famille qu'on appelle l'incrédulité. Qu'est-ce que j'ai dit? Une famille qu'on appelle l'incrédulité. Dis avec moi l'incrédulité. Oh, dis avec moi l'incrédulité. La crédulité, l'incrédulité est un puissant ennemi de la foi. L'incrédulité, c'est un tueur de foi. C'est un assassin. Il tue la foi. Dis amen et je continue. Allons dans Marc chapitre 9 au verset 17. Dans Marc chapitre 9 verset 17, on nous parle d'un récit ô combien intéressant. On nous parle d'un homme de la foule qui est venu voir Jésus après que Jésus descendait de la montagne de la transfiguration. Il descendait avec ses disciples et un homme de la foule lui dit « Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Luc parle d'un esprit lunatique ou encore d'un esprit d'épilepsie. Et en quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, il grince des dents, il devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et là, écoute ce que Jésus dit. Race d'incrédules. Qu'est-ce qu'il a dit? Race d'incrédules. Génération incrédule. Oh, homme incrédule. Dis amen et je continue. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-moi le gars. Et on le lui emmena. Et au verset 20, il est écrit, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit se manifesta. L'esprit agita avec une grande violence cet enfant. Il tomba comme il faisait d'habitude et il se roulait par terre en écumant. Dis amen. Tu sais, ça veut dire quoi? Quand l'esprit prend l'enfant, il le fait tomber par terre. Et l'enfant commence à... Et puis il commence à écumer, ça veut dire baver. Mais c'est comme si la salive devient comme la mousse. Et ça coule. Et Jésus demanda au Père, comment y a-t-il de temps que cela lui arrive? Il dit, depuis son enfance, répondit-il. Et le Père dit, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Alors le maître, Jésus, voyant accourir la foule, il menaça l'esprit impur. Il n'a pas dit, hey. Non, il a, menaça l'esprit impur, dit amen et je continue. Non, parce que toi, parfois, tu fais des prières qui ne menacent personne. Et franchement, même un démon dit, tu parles bien, je ne t'ai pas entendu. Non, Jésus le menaça, Quelqu'un dit amen. Mon ami, le langage des vainqueurs, c'est parfois souvent même un langage de violence. C'est un langage de fermeté et d'autorité. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire amen. Il dit, esprit muet et sourd, moi je te l'ordonne, sors de cet homme et n'y rentre plus. Et il poussa, il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, tu entends ça? L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, il dit, bas la terre, petit, lève-toi. Et il se tint debout lorsqu'ils furent entrés dans la maison. Les disciples étaient tourmentés. Ils avaient commencé à chasser des démons déjà. Ils avaient commencé à opérer parce que quand on lit le même récit dans Luc chapitre 9, on voit bien que Jésus les avait déjà envoyés en mission.
Et donc, ils avaient déjà commencé à avoir beaucoup de résultats. Et alors, ils viennent. Ah, Seigneur, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon, cet esprit? Jésus, verset 29, il leur dit, cette sorte ne peut sortir en aucune façon si ce n'est par la prière et par le jeûne. La même version, le même récit nous est donné avec un peu plus de détails pour cette dernière partie dans Matthieu chapitre 17 au verset 19. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus leur dit, ce n'est pas à cause de la force de ce démon. Matthieu 17, verset 20. Ce n'est pas à cause de la puissance de cet esprit. Non. Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Dit Amen. C'est à cause de quoi? Votre incrédulité. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous parleriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Au verset 21, il dit, mais cette sorte de, j'ai écrit en parenthèse, de démon, ne sort, ne s'en va que par le jeûne et la prière. La version grecque, la version originale que Louis II a traduit, ne mentionne pas cette sorte de démon, non. Elle dit simplement, mais cette sorte ne sort que par le jeûne et par la prière. Que par la prière plutôt et par le jeûne. Quelqu'un dit Amen. Ce récit est extrêmement important. Un père a un enfant très malade et la maladie de l'enfant, elle est très complexe. Elle est à la rigueur même intimidante. Quand le démon agite l'enfant, l'enfant tombe, l'enfant devient raide, l'enfant écume, c'est-à-dire il commence à baver, il roule par terre, il saute dans le feu, il saute dans l'eau, l'enfant incontrôlable. Ils ont emmené l'enfant chez les disciples. Les disciples, pour eux, ce n'était pas un grand problème puisqu'ils avaient déjà reçu le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Quelqu'un dit Amen. Ils avaient déjà commencé à chasser les démons. Ils étaient contents de chasser les démons. Dans Luc 9, on voit qu'ils chassaient les démons. Allez, dehors, au nom du maître Jésus, allez. Ah, les démons sortaient. Mais là, ils arrivent devant un cas qui pour eux est un cas complexe. Ils ont essayé de dire, sors. Quand il dit sort, le démon prend l'enfant, il le jette dans l'eau, jette dans le feu, il tombe par terre, il raidit, il commence à baver dans tous les sens. Il dit, ah, dis-moi Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Et finalement, ils n'ont rien pu faire. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien pu faire? Jésus leur révèle qu'ils n'ont rien pu faire, pas parce que le démon était trop dur, pas parce que l'esprit était trop gaillard, pas parce que Satan était trop fort. Non, non et non. Il dit, ce n'est pas parce que le diable est trop fort, c'est votre incrédulité. Et puis il dit, je vous le dis, cette sorte, on a traduit généralement cette sorte de démon, ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais la version originale dit, cette sorte, cette espèce ne s'en va, ne part que par la prière et par le jeûne. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais vous montrer une chose importante, c'est que la racine de leur incapacité ne se trouve pas dans la force de l'ennemi, mais Jésus dit dans leur incrédulité. Donc le vrai problème, c'était quoi? L'incrédulité. Quelqu'un dit Amen. Donc s'il fallait reparaphraser cette phrase, on pourrait dire a priori que cette sorte de démon, cette sorte de manifestation démoniaque les a rendus incrédulités. Ils ont été comme paralysés, tétanisés. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Cette sorte de démon les a paralysés. Les manifestations démoniaques qu'ils ont vues, les ont paralysés, les ont intimidés. Ils ont eu peur. Cette forme d'incrédulité, en réalité, la manifestation démoniaque a fait naître en eux incrédulité. Et leur incrédulité les a empêchés de chasser ce démon. Et Jésus dit, votre problème numéro un, c'est votre incrédulité. Si quelqu'un me suit, dit Amen et je continue. L'incrédulité.
Qu'est-ce que c'est que l'incrédulité? Le mot incrédulité, c'est le mot grec qui est traduit. Le mot foi, en parenthèse d'abord, c'est le mot qu'on connaît, qu'on appelle pistis, ou encore pistea ou pisteo. Ça veut dire foi, assurance, confiance, adhésion. Ça, c'est le mot foi. Mais quand tu étudies les Écritures, tu te rends compte que ce mot incrédulité vient souvent, et à chaque fois qu'il vient, il est toujours opposé à la foi. Le mot incrédulité veut dire, lui en grec, apistis ou encore apisteo ou encore apistea. Ça veut dire quoi? C'est, en généralement, il apparaît comme étant absence de foi. Quand on dit espèce d'incrédule, généralement les gens te disent, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Or, effectivement c'est vrai, mais dans certains contextes, quand on parle de l'incrédulité, on ne parle pas du gars qui n'a pas la foi. Les disciples avaient la foi pour chasser les démons, mais là il s'est passé quelque chose. Leur foi a été attaquée. Leur foi a été combattue. Par quoi? L'incrédulité. Quelqu'un dit amen et je continue. Incrédulité vient du mot apistis. Ça veut dire quoi? Le parallèle, c'est la négation de la foi. Toutes les fois que quelqu'un manifeste la foi, il y a une force qui s'oppose à la foi. Il y a quelque chose qui naît et qui veut détruire la foi, qui veut attaquer la foi, qui veut réprimer la foi, qui veut polluer, diluer, anéantir la foi. Le mot incrédulité, c'est le contraire de la foi. Quelqu'un dit amen et je continue. Quand par exemple on dit on va nouer un lien, le contraire de nouer c'est dénouer. Quand on dit on va lier, le contraire, si quelqu'un veut lier quelque chose, une force peut venir pour délier. Quand on dit je vais faire quelque chose, une force contraire dit je vais défaire. C'est la puissance de la foi ou de l'incrédulité. Si quelqu'un me suit, dit amen. Mon frère, ma soeur, dans ce monde des ténèbres, ce monde est un monde des ténèbres. Les ténèbres recouvrent la terre. Tu dois savoir une chose. Il y a un combat permanent. Il y a un combat constant. Il y a un bras de fer. Un bras de fer permanent entre la foi et l'incrédulité. Dieu dit quelque chose. Tu veux le croire? Mais quelque chose s'oppose. Et ce quelque chose se manifeste souvent par ce que tu vois, par ce que tu entends. Et là, ça peut tuer ta foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin? Un bras de fer constant, permanent, chaque jour, à chaque instant, a lieu entre la foi et l'incrédulité. Dieu dit une chose, tu veux croire, mais tu vois, tes sens te piègent. L'homme est un esprit, il a une âme, il habite dans une maison qu'on appelle le corps. Et ton corps est en connexion, ton esprit est en connexion avec le monde de matière à travers tes sens. Cinq sens, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu goûtes, ce que tu touches. Quelqu'un me dit amen, lui l'odorat, la vue, le toucher. Tous les sens spirituels, tu dois, quand tu veux marcher dans la foi, dans une grande foi, tu dois apprendre à faire attention à tes sens spirituels et tes sens naturels. Quelqu'un me dit amen et je continue. La foi va bien fonctionner si tu apprends à savoir protéger ton cœur de l'incrédulité. Si tu apprends à te débarrasser de toutes les formes d'incrédulité. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs formes d'incrédulité. Dans le cas d'espèce, Jésus leur dit, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Oui, il y a eu incrédulité, c'est pour ça que vous n'avez pas pu faire. Mais pour résoudre ce problème d'incrédulité, il faut la prière et le jeûne. Je reviens aussi dans quelques instants. Dis amen et je continue. Mais les gens qui ont une grande foi ont appris à réagir, ont appris à protéger leur cœur de l'incrédulité. Pourquoi Jésus n'a pas tremblé? Il voit la même chose que les disciples. Dès qu'il a vu Jésus, la Bible dit qu'il a poussé, le démon a poussé l'enfant par terre. Il a fait la même chose. Jésus n'a pas tremblé. Jésus a juste demandé, ça fait combien de temps que ça dure? Depuis son enfance, c'est tout. Il n'a pas été impressionné par le spectacle. Il n'a pas été impressionné par les gesticulations. Il était impressionné, il savait qui il était. Il savait ce qu'il pouvait faire. Oh, quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Il n'a pas tremblé. Il n'était pas effrayé. C'est exactement la dimension dans laquelle Dieu est en train de te conduire. Dimension de quelqu'un qui est inébranlable, imperturbable. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tes yeux voient,
Dieu est en train de te rendre, il va te rendre impassible. Tellement tu es conscient de la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen. N'oublie pas, la foi vient de la parole. L'incrédulité dont on parle vient des circonstances que tu vois autour de toi. Est-ce qu'on peut continuer? Oh, dis-moi amen. Quand tu sondes les Écritures, tu découvres qu'il y a des lieux dans lesquels Jésus n'a pas fait grand-chose. Il y a des endroits dans lesquels, où il y a des situations dans lesquelles Jésus n'a pas pu opérer. Dans Marc chapitre 8 au verset 22, on nous parle d'une ville qu'on appelle Bethsaïda. On emmena vers Jésus un aveugle afin qu'il touche. Et on le pria de toucher l'aveugle. Dis avec moi Bethsaïda. Hein? Bethsaïda. C'est une ville importante, une ville stratégique. Dis avec moi Bethsaïda. La même ville Bethsaïda dont Jésus parle. Malheur à toi Chorazin. Malheur à toi Bethsaïda. Malheur à toi Chorazin. Malheur à toi Bethsaïda. Il dit si les miracles qui avaient été faits, les miracles qui avaient été faits chez vous avaient été faits à Tyr et Sidon, il y a depuis longtemps elle se serait repentie. Jésus dit mais toi cette ville, il y a des villes, il y a des environnements, il y a des lieux. Dis amen et je continue. Amen. Qui ne sont pas favorables à l'exercice de la foi, à la manifestation de la grâce, de la puissance de Dieu. Il y a des environnements qui sont des environnements piégés et minés. Dis amen et je continue. Amen. Ils se rendirent donc à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Jésus prit l'aveugle par la main. D'habitude, Jésus parle, guérit. Et puis il dit que Jésus prit l'aveugle par la main. Il le conduisit hors du village. Pourquoi hors de Bethsaïda? Puis, il lui mit de la salive sous les yeux. Il lui imposa les mains. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Le gars dit, non, ce n'est pas encore clair. J'aperçois les hommes, mais comme des arbres. Et qui marchent. Deuxième fois, c'est rare que ça arrive. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et là, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Ici est pris à deux reprises pour guérir un simple aveugle. À deux reprises. Alors que chez les Bartimée, là, seulement dit, vois. Bartimée a vu. Toi, tu dis, recouvre la vue, recouvre la vue. Là, c'est comme si le mode opératoire a été beaucoup plus délicat. C'est comme s'il a eu un peu plus de difficulté à guérir. Pourquoi? Bethsaïda. La ville, Bethsaïda. Il y a une puissante, une forte atmosphère d'incrédulité. Les gens n'en font pas confiance à Dieu. Tu sais que c'est facile de prêcher dans une église ou dans un endroit où les gens ont la foi. Les miracles vont se faire comme du petit pain. Mais il y a des environnements où les gens, ils sont dans les raisonnements. Dieu n'arrive pas à opérer. Regarde ce que Jésus dit au verset 26. Alors, quand il a fini, quand le gars a été guéri, Jésus le renvoyait dans sa maison en lui disant, quoi? Tu as été guéri maintenant? Ne va pas au village. N'entre pas dans ce village. Quel village? Bethsaïda. Pourquoi? Bethsaïda était une ville incrédule où il y avait une forte atmosphère d'incrédulité, où les gens n'honoraient pas Dieu, où les gens n'ont pas confiance à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Où les choses simples sont difficiles à faire. Il y a des gens qui ont été guéris, ils repartent chez eux, ils perdent la guérison. Il y a des gens qui ont été libérés, ils repartent chez eux, ils perdent la libération. Tu sais pourquoi? Quand ils arrivent chez eux là-bas, on leur dit, tu étais où? Les paroles des gens, les propos, les attitudes peuvent tuer la foi, peuvent tuer les grâces que tu as reçues. Ouais. Quand tu côtoies les gens qui sont incrédules, qui ne croient pas, qui ne veulent pas croire, qui sont bornés, qui sont têtus, et tu les aimes et tu côtoies beaucoup ces gens-là, tu peux perdre ce que tu as reçu. Pourquoi? Le mauvais environnement. Il y a des environnements où tu perds ce que tu as reçu. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Il y a des lieux où on perd les grâces qu'on a reçues juste parce que c'est un milieu qui est mauvais, qui est hostile à la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu. Ce qui attire la puissance de Dieu généralement, c'est la foi. Quand tu crois, quelque chose se passe. Mais quand les gens ne croient pas, tu as beau pleurer, les larmes n'ont jamais provoqué l'intervention de Dieu. C'est toujours la foi. Toujours la foi. Dieu répond toujours à la foi. Oh, quelqu'un me dit amen. Quand Jésus est allé dans la maison d'un dénommé Jaïrus, Marc chapitre 5, verset 35,
Il parlait encore et survint le chef de la synagogue. Il lui dit, ta fille est morte, pourquoi importuner, pourquoi déranger davantage le maître? Au verset 36, il est dit que Jésus, sans tenir compte des paroles, on dit, mais n'embête pas le Seigneur, laisse tomber, ta fille est déjà morte. Regarde une parole qui peut te faire pleurer. Ta fille est morte, laisse tomber. C'est une information que tu viens de recevoir qui peut te détruire ton moral, qui peut saper ta foi. Quelqu'un dit amen. Et Jésus, pour la foi du frère, ne défaille pas. Il dit non, ne crains pas, crois seulement. Continue d'avancer. Avançant, elle va guérir. Dans les situations où la peur vient, il dit crois seulement. Refuse de douter, refuse d'avoir peur. Crois seulement. Tu viens d'entendre quelque chose qui est en train de combattre ta foi, qui peut annuler ta foi. Il dit crois. Crois, n'abandonne pas la foi. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Et mais regarde ce que Jésus a fait. Au verset 37, il dit ne crains pas, crois seulement. Verset 37, il ne permit à personne de l'accompagner. Si ce n'est Pierre, Jacques et Jean. Il ne permit à qui? À personne. Et quand tu vois la suite du récit, dès qu'il est arrivé dans la maison, il a mis tout le monde dehors. Il a chassé tout le monde. Atmosphère d'incrédulité. Les gens faisaient du bruit. Il dit, mais il y a des atmosphères qui sont des atmosphères d'incrédulité. Beaucoup de bruit, mais surtout beaucoup d'incrédulité. Et Jésus était obligé de mettre tout le monde dehors. Pourquoi? L'atmosphère d'incrédulité. Si quelqu'un me suit, dit amen. Et je continue. Dis avec moi l'incrédulité. Un ennemi, un tueur de la foi. Quand tu es sur le point de croire, quelque chose se lève, te dit non, tu ne peux pas. Non. Comme la dame qui était allée voir un pasteur, soit c'était le pasteur Karambiri, pour qu'elle prie pour lui, elle était malade. Et elle lui dit, pasteur, je suis malade depuis 20 ans. Priez pour moi. Je dois vous dire que Benny Hinn a prié pour moi. Que Tel Osborne a déjà prié pour moi. Que Tini Dias a prié pour moi. Elle a cité la liste de tous les serviteurs qui ont prié pour elle. Mais ils n'ont pas réussi à me guérir. Pasteur, vous au moins priez pour moi. Là, tu laisses tomber. Il dit, moi, je ne prie pas. Ça sert à quoi? Tu viens demander la solution, mais tu as de citer tous les gens qui ont déjà échoué avec ton cas. Si toi, tu es bête, tu as dit, bon, moi, je vais essayer. Non. Quand c'est comme ça, tu laisses tomber. C'est son cœur qui est incrédule. Ce n'est pas toi, c'est elle. Ta prière ne changera rien. Il faut qu'il y ait un minimum de foi. Oh, quelqu'un dit, amen. Oh. Dans le cas de la fille de Jairus, il a fait sortir tout le monde. Il y a des moments où Dieu, quand il veut faire quelque chose avec toi, il doit éloigner de ta vie les gens qui tuent ta foi, les tueurs de ta foi. Toutes tes relations ne sont pas des bonnes relations. Toutes tes fréquentations ne sont pas des bonnes fréquentations. Toutes tes supposés amis, il y en a qui sont des assassins de ta foi. Je t'aime, hein, mais je te dis la vérité, hein, cette maladie-là, excuse-moi, franchement, tu ne peux pas guérir. Ce sont des assassins de la foi. Ils sont en train de tuer ta foi. Toi, tu dis, mais il est écrit. Tu dis, non, oh, toi aussi, arrête ça, mon frère. Regarde comment la plaie. La plaie est en train de gonfler tous les jours. Ils sont en train de tuer ta foi. Et toi, tu les appelles tes amis. Dieu les appelle tes ennemis. Ce sont des ennemis de la foi. Et il y a des moments où Dieu doit te séparer de certains environnements, de certaines maisons. Tu habites dans une maison où l'atmosphère d'incrédulité est forte. Dieu, parce qu'il t'aime, va te faire sortir de cette maison. Des fois, on va te dire, bon, allez, pars, on te chasse. Non, mon ami, des fois, on vient de te sauver. Oh, quelqu'un qui comprend de quoi je parle, dit amen. Quelqu'un dit amen. Incrédulité, c'est un puissant ennemi de la foi. Les gens qui ont une grande foi doivent apprendre à protéger leur cœur de l'incrédulité. Donc, pour protéger ton cœur de l'un, garde ton cœur plus que tout ce qui se garde. Garde quoi? Ton cœur. Ne laisse pas ton cœur être bombardé par certains environnements, certaines personnes qui croient qu'ils sont plus spirituels que toi, qui vont te donner des conseils qui en réalité sont en train de contredire la parole de Dieu. La foi doit être établie sur la parole de Dieu. L'incrédulité s'oppose à la foi en disant non. Tu dis, je vais faire. Tu dis, non, c'est pas possible. On appelle cela de l'incrédulité. Et il vient pour massacrer la foi. Et quand les apôtres disent, mais pourquoi? Il dit, c'est votre incrédulité. Vous vous êtes laissé berner par les circonstances.
Et alors Jésus leur dit maintenant, cette incrédulité là, pour la réprimer, pour ne pas être impressionné comme moi, je n'ai pas été impressionné. Ce genre d'esprit là, on ne peut les régler que par la prière et le jeûne. Il n'a pas dit que c'est le jeûne et la prière qui vont te rendre, qui vont chasser le démon. Non. Mais il a dit que dans la vie, il y a des attitudes qu'il faut avoir. Attitude de prière, vie de prière et vie de jeûne. Il y a des moments où, devant certaines choses que tu entends, certaines circonstances que tu vis, c'est toujours l'essence. Cette incrédulité dont je parle là, elle se manifeste par l'essence. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu goûtes, ce que tu sens, va te rendre incrédule. Protège ton cœur de ce genre d'incrédulité. Quelqu'un dit amen. Et dans le cas d'espèce, Jésus dit, pour ce type de situation compliquée, impressionnante, intimidante, il y a des choses qui t'intimident. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il y a des choses qui te disent, oh là 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 là, ça, ta foi n'est pas encore ferme pour ça. Ta foi ne peut pas encore régler le problème. Tu avais la foi, mais ta foi a été neutralisée par ce que tu as vu. Quelqu'un dit amen et je continue. Le Seigneur dit, pour ce genre de cas-là, il y a une réponse. La réponse, c'est une vie de prière et une vie de jeûne. Pourquoi? On parle beaucoup de la prière de tellement de manières et du jeûne aussi. Par la vie de prière. Je n'ai pas dit la prière instantanée d'un moment, mais par une vie de prière régulière. Une vie de prière, c'est une vie. Il y a tellement à dire sur la vie de prière. C'est une vie où on apprend à communier avec Dieu. C'est une vie où on apprend à dépendre de Dieu. C'est une vie où on apprend à aimer Dieu. C'est une vie où on apprend à compter sur Dieu. C'est une vie où on apprend à chérir Dieu. Où on apprend à honorer Dieu. Où on apprend à apprécier Dieu. Une vie de prière où on parle en langue. Et Kuraba, c'est Anderebosia. On chante en langue. Emandele broskiaba. Pareso katariabasa. Emantoraba. Et pareil, je chante en langue. Je prie en langue. C'est une vie de prière. Ce n'est pas la dévotion du matin ou du soir. C'est tout le long de la journée. Je suis en train d'offrir à Dieu ma reconnaissance. Je suis conscient que Dieu est là. Je me laisse remplir de sa présence. Il est écrit dans Éphésiens 5, verset 18. Ne vous laissez pas enivrer, ne vous laissez pas remplir de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Comment est-ce qu'on fait pour être constamment rempli? Parce qu'en fait, le secret, c'est la vie de prière, la vraie, c'est quand tu es constamment rempli du Saint-Esprit. Oh, quelqu'un dit amen. Mais comment on fait pour être constamment rempli de l'Esprit? Il te dit, parlez à vous-même par des psaumes. Entretenez-vous ou encore parlez à vous-même par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Autrement dit, et je continue plutôt, il dit, chantez et célébrez de tout votre cœur. Pas de votre bouche, mais de tout votre cœur. Chantez et célébrez les louanges du Seigneur. Père, je t'aime. Père, je te bénis. Des fois, tu marches mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de chanter des hymnes. Quand tu fais ça, tu es en train de te laisser remplir de l'Esprit. Prier, c'est pas toujours au nom de Jésus. Il dit non. Là, il dit il y a une manière de se laisser remplir. C'est honore Dieu. Sois conscient que Dieu est là et honore-le. Communie Saint-Esprit, béni sois-tu. Ô Braca Père, je te rends grâce. Seigneur Jésus, je te rends gloire. Tu sais que je t'aime, mon amour et mon papa, mon trésor et ma passion, ma forteresse. Toi, tu es Dieu. Saint-Esprit, je t'admire. Jésus, je te bénis. Oh, quand je pense à ton œuvre que tu as accomplie pour moi, oh, je suis émerveillé. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, le pouvoir, le règne. Père, et l'obranta l'esso. Un des secrets pour être constamment rempli de l'esprit, c'est de parler en langue. Allez, recommandere l'endolo brambosi amateke. Orabakantekoro. Tu as vu là, il joue une mélodie. Et moi je surfe sur la mélodie. Endelebros, andelebos. Je proclame les bontés, les bros. Après je dis, l'éternel, les bons.
Libro Sataramande, Libro Masia, Libro Bobosakatirin, La Bravo Sekan. Oh, eh, là je suis au travail, devant mon ordinateur, Brendo Bosito, Lebrando Kositara, Rebamande, Lebrando, Lebrande, Lebro Soten, Limante, Lebro Scotorobo. On dit, ah, le chef vous appelle. J'arrive, Seigneur, je veux voir le chef. Mamdolo. Puis quand tu viens dans le bureau du chef, tu dis ce sont des hymnes. Ce sont des hymnes. Il n'y a pas de sang. C'est juste. Il n'y a pas de parole. C'est. Entretenez-vous par des hymnes. Quelqu'un me dit un bon amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il y a des moments où moi je dis bonjour aux gens. Au bureau. Et qu'est-ce que vous dites? Mandele, c'est pas pour vous, c'est pour lui. Oh, si quelqu'un comprend, dit un bon amen. Oh. On appelle ça un style de vie de quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Une vie de prière. C'est pas prier le matin au nom de Jésus. Ça, c'est bien. Menda karabarebose. Donc, redonne-moi le verset. Tu remarqueras, il dit, soyez remplis de l'esprit. Donc, tu remarqueras que, en parenthèse, dites-vous des psaumes. Quand il dit, l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours. Sa fidélité de génération en génération. Mais un psaume, ce sont des paroles accompagnées de mélodies. C'est pas, l'Éternel est bon. Et, quoi? Il est digne de louange. Ah, c'est ça. Sa grandeur. Non. C'est dis-le en chantant. Mais en chantant de tout ton cœur. Père, je t'aime. Pour tout ce que tu es. Père, je. Soyez continuellement rempli de l'esprit. Pour tout ce que tu fais. Père, je, quand tu es en train de faire comme cela, aime-moi, tu te laisses remplir de la présence de l'Esprit. Tu es rempli de l'Esprit et tu chantes de tout ton cœur. Père, je t'aime. Tu remarqueras que chanter, célébrer vient de tout ton cœur. Les louanges du Seigneur. C'est une des manières d'être continuellement rempli de l'Esprit. De devenir donc plus sensible à la présence de l'Esprit, à la voix et à la direction de l'Esprit. Ça, tu le fais tout au long de la journée. Tu sais que Dieu est présent par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu et il est venu habiter en toi. Quelqu'un dit amen. Au verset 20, il te dit, rendez continuellement grâce. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, en toutes choses. Rendez grâce. Lorsque tu veux être rempli de l'Esprit, ta vie doit être assaisonnée d'actions de grâce. Ah, quelqu'un qui me suit me dit amen. Oh, je te remercie. Je te bénis. Il y a tellement de manières et de raisons pour lesquelles je dois dire merci. Oh, je vois, je te dis merci. Mais d'abord, moi personnellement, c'est d'abord papa, tu es mon papa. Ha! Je te rends grâce parce que tu es mon père. Et tu sais, il m'a révélé le père. Oh père, je t'aime, je te bénis, je te célèbre. Je suis reconnaissant père parce que tu as fait de moi ton enfant d'adoption par Jésus-Christ. Tu nous as tellement aimé que tu as tout donné pour nous. Le père a tout sacrifié juste pour que toi, tu deviens son enfant. Mais c'est tout là, c'est quoi? C'est son fils qui était unique. Hier, il est devenu le grand frère d'un grand nombre, l'aîné d'une grande famille. On l'appelle le Christ Jésus de Nazareth. Nous avons un seul Père, c'est le Père de gloire. Rendez grâce au Père pour toutes choses, en toutes choses. Si quelqu'un me suit, dit Amen.
Et au verset 21, il te montre toujours comment on fait pour être rempli de l'Esprit. Il dit, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, toi tu crains Dieu, moi je crains Dieu, on s'apprécie. Chaque, il n'y a pas de supérieur, non. On est tous égaux devant Dieu. On apprend à se respecter, on apprend à s'apprécier. Femme, sois soumise à ton mari. Mari, honore ta femme. Si quelqu'un est d'accord avec ça, donne-moi un bon amen. Femme, arrête. Femme, tu arrêtes de faire tes bêtises, ta délinquance, ton banditisme. Marie, tu arrêtes de mépriser ta femme. Il a dit, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Seigneur. Tu ne peux pas être rempli de l'esprit en étant quelqu'un de rebelle, non. Tu ne peux pas être rempli de l'esprit en étant quelqu'un d'impoli, d'irrespectueux. Et quelqu'un me donne un bon amen. Quand on est rempli de l'esprit, on se laisse conduire par l'esprit. La nature de l'esprit, la vie de l'esprit nous remplit pleinement. Il dit, pourquoi je te parle de ces choses? C'est la vie de prière, où on est rempli de l'esprit et on médite constamment la parole. Dieu se manifeste par sa parole et par son esprit. Je suis dans l'esprit, j'aime la parole. La parole, je la médite, je la sers dans mon cœur, je la médite, elle m'accorde illumination après illumination. C'est la vie de prière. Quelqu'un qui me suit dit amen. Et après, il te dit aussi, ce genre de démon, ou encore, permettez-moi de le dire, cette espèce d'incrédulité qui t'a paralysé devant ce démon-là, cette espèce d'incrédulité, on a fait sortir que par la vie de prière, c'est vrai, mais aussi par le jeûne. Il y a des moments où la prière seule ne suffit pas. Des fois, on doit s'abstenir de nourriture. Je n'ai pas dit faire la grève de la faim ou faire un régime alimentaire parce que tu as trop grossi. Il y a des gens qui confondent la vie de jeûne avec les régimes alimentaires, bio, tout. Non, on n'est pas dans les bio, on n'est pas dans les régimes, on est dans la vie de jeûne. Jeûner, ce n'est pas se priver de nourriture seulement. Non, quelqu'un dit amen. En jeûne pour intensifier, pour crucifier la chair. En jeûne pour soumettre sa chair et être plus sensible, augmenter la réceptivité spirituelle. En jeûne, mais quand on jeûne vraiment, on se prive de nourriture. Mais on n'est pas en train d'injurier les gens à longueur de journée. On n'est pas en train de voir l'heure qui passe pour dire, oh, il est 22h18, il faut que je coupe le jeûne. Aïe, 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 Nzalako, aïe, mon estomac, aïe. Non, ça ce n'est pas la vie de jeûne. La vie de jeûne, on est en train de se priver de nourriture, mais on est dans sa présence, on est dans la parole. Quelqu'un dit amen. On reste dans la parole, on médite la parole. Un vrai jeûne, c'est un jeûne où on est à l'écart, en retrait, comme dit pasteur Anissé, on prend des retraites, même si c'est 2 heures, 3 heures, une demi-journée, une journée, mais on est à l'écart, on est dans la présence de Dieu, on médite les écritures, on parle à Dieu, on honore Dieu, mais on est en train de méditer les écritures. C'est pas quand je vais au bureau et 17h, ouh, ça va couper bientôt. Non, 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 non. Je demeure dans sa présence. Je me prive, je m'abstiens de nourriture. Parce que quand ventre trop affamé, plutôt ventre trop rempli, des fois ça te fait dormir, ça te distrait. Non, des fois vide un peu, ne prends rien. Bois de l'eau si tu peux boire. Quelqu'un dit amen ici. J'augmente ma vie de consécration. Je me consacre à Dieu. Je donne mon temps à Dieu. Je demeure dans sa présence. Quand ça siffle dans tous les sens, ça va mal. Retire-toi un peu. Prends une journée de jeûne et de prière. De prière et de jeûne. Ce n'est pas une journée de grève de la faim. Quelqu'un dit amen. Et en parenthèse, quand je fais un jeûne, je fais aussi un jeûne des réseaux sociaux. Je fais aussi un jeûne de Facebook, un jeûne de YouTube. Je fais aussi un jeûne de mon téléphone. Quand on t'appelle, ce n'est pas Dieu qui t'appelle. Je fais aussi un jeûne où quelqu'un me dit amen. Je fais un jeûne aussi de la télévision et même de la radio. RFI, 7h du matin, journal de l'Afrique. Tu fermes cette affaire. Il y a des gens qui sont... Ils disent, je veux jeûner, mais il faut que j'écoute l'actualité de 7h, le journal Afrique. Le journal Afrique n'a jamais sauvé quelqu'un. Jamais. Ça n'a jamais transformé la vie de quelqu'un. Mais la parole et la présence de Dieu peuvent transformer la vie. Quelqu'un dit amen. Oh, je n'ai pas entendu toi. Amen.
Ton voisin n'a pas l'air très d'accord, mais tu sais, même si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas mon problème. Je te parle parce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'entendre ces choses. Il y a quelqu'un qui a envie d'être insensible. Jésus était insensible devant la manifestation de ce démon. Jésus était insensible devant les situations qu'il voyait. Et quand le vent est venu, Jésus était insensible. Il a dit, n'aie pas peur, il n'y a pas de problème. Quelqu'un me dit amen. Il ne réagissait pas comme la plupart des gens. Il réagissait dans le calme et une forte assurance. Oh non, tu sais pourquoi? Il est la parole de Dieu. Mais la bonne nouvelle entre toi et moi aujourd'hui, c'est que la parole qu'il est demeure en moi. Elle demeure en nous parce qu'on la médite. Oh, si je parle à quelqu'un, dis amen. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Oh. Donc tu vois, la peur, le doute, les inquiétudes, ce sont les enfants d'une même famille. Il faut fuir ces choses. Il faut les combattre dans ton cœur. Ne laisse pas de l'incrédulité. Ne laisse pas l'incrédulité gangréner ton cœur. Rappelle-toi, la semaine dernière, quand on a parlé du doute, on a dit que le doute pouvait être un tueur. Est-ce que tu te rappelles comment Pierre, dans Matthieu 14, comment Pierre, quand il a commencé à marcher, je vais terminer, sur les eaux, Pierre, la Bible dit, regarde, Matthieu 14, à la quatrième veille de la nuit, donc vers 3 heures du matin, Jésus alla vers les disciples, Jésus de Nazareth, ce type-là quand même, il exagère, hein? Oh mais c'est mon grand frère, c'est mon sauveur, oh, quelqu'un me dit amen. La Bible dit que quand les disciples le virent marcher sur la mer, et puis la mer était agitée, figure-toi, ils voient quelqu'un en train de marcher sur la mer agitée. Jésus de Nazareth, trentaine d'années, fils de Dieu, fils de l'homme, il marche sur la mer. Et là, les gars disent, ah, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Il dit, Pierre lui dit, Seigneur, c'est toi, mais la mer agitée. L'une est sous le bateau, l'autre est sous la mer. Imagine-toi, le gars se tient sur la mer, mon gars. Les vagues sont en train de frapper à gauche, à droite. Le gars est debout sur la mer. Eux, ils sont sur la pirogue, lui sur la mer. Debout, comme s'il était sous le sol ferme. Waouh, Jésus de Nazareth, le Messie. Oh, quelqu'un donne un bon amen. Oh. Et il dit, c'est moi, n'aie pas peur. Alors, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Demande-moi de venir. Jésus lui dit, Pierre, viens. Le viens là, c'est le réma. Ça veut dire, suis-moi, rejoins-moi, joins-toi à moi, fais comme moi. Jésus vient de lui donner ce qu'il attendait, le mot de passe. C'est Pierre, viens. Quand il a dit viens, il vient de donner à Pierre la capacité de venir. Oh, oh. Quand il te dit viens, il vient. Toutes les paroles de Christ sont puissantes. Toutes les paroles que Dieu te donne sont puissantes. Et les paroles, elles te donnent la capacité de faire ce que par toi-même tu étais incapable de faire. Quelqu'un dit amen. Alors Pierre, sur la base de la parole, Pierre avait une petite foi. C'est avec cette foi qu'il avait commencé à chasser les démons. Et la Bible dit que Pierre commença à marcher. Il dit, ça marche. Tout le monde dit, Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Laissez-moi. Et puis la Bible dit, Pierre, il oublie les amis. Il est en train de marcher. Mais à un moment donné, la mer était agitée. Il a commencé à marcher avec une petite foi. La petite foi peut commencer à te faire marcher. Mais ce n'est pas tout de commencer à marcher. Il faut arriver là où il est. Il t'a dit, viens. Et là, la Bible dit, Pierre, voyant les yeux, entendant, le type, faut pas rester avec une foi qui est petite. Tu peux faire certaines choses, mais ça va pas durer. On dit amen. Voyons que le vent était fort. Pierre, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu que les vagues commençaient. Oh papa, il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il a vu. Parce qu'il a vu. Il a commencé à s'enfoncer. Parce que Pierre a été plus, il a été dominé par ses sens. La vue, l'oreille. Qu'est-ce que tu vois qui t'effraie? Qu'est-ce que tu entends qui t'effraie? Il a dit, viens, ça veut dire que tu peux venir. Mais le problème, c'est que quand Pierre a commencé à marcher, l'incrédulité est manifestée. Il a vu, il a entendu le bruit, il a vu les eaux qui montaient. Et là, la peur est venue. Or, la peur, c'est une autre forme de incrédulité.
Et là, Jésus qui le rattrape. Il dit, Seigneur, au secours, sauve-moi. Il dit, oh, tu avais bien commencé. Oh, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Parce que le doute est une autre forme d'incrédulité. Ce sont les membres de la même famille. Le doute, l'incrédulité. Mais ils sont dus à quoi? À ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce que tu touches, à ce que tu goûtes et à ce que tu sens. Il te crie que le juste vivra, marchera par la foi. Paul a dit, nous marchons par la foi et non pas par les sens. Je refuse de vivre selon mes sens. J'accepte de vivre selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit qu'avant la fin de 30, cette année, tu passeras de l'autre bord. Tu passeras. Comme il a dit que tu passeras, ça veut dire que tu... C'est une parole prophétique qui a été donnée à l'église ICC Brazzaville. Il a dit que tu passeras. Comme il a dit qu'on passera, ça veut dire qu'on passe. Toute puissance satanique qui veut t'empêcher de passer sera aplanie. Et toi, tu passeras. Si je parle à quelqu'un qui est sur le point de passer, donne un meilleur amen. J'ai dit, donne un bon meilleur amen pour toi-même. Est-ce qu'il y a des tueurs d'incrédulité dans ce lieu ce matin? Quand il a dit aux autres, c'est à cause de votre incrédulité, il ne te le dira pas à toi. Toi, il te dira à cause de ta foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a fait passer de l'autre bord. Donne-moi un amen de foi pour toi-même. Voilà pourquoi je te dis, si tu comprends cette parole, cette semaine, par la grâce de Dieu, la puissance du glorieux Saint-Esprit, mon ami, marche seulement dans la vie de prière. Développe ta vie de prière. Les hommes forts sont des hommes de prière. Les hommes forts sont des hommes de l'intimité. Ils développent leur intimité avec le Saint-Esprit. Ils aiment la vie de l'Esprit. Ils aiment la présence de l'Esprit. Ils aiment le règne de l'Esprit. Ils aiment l'intimité. Ils aiment le jeûne. Quand on leur dit jeûne, ils disent oui, je veux me rafraîchir spirituellement. Je veux me raffermir spirituellement. Oh, quelqu'un dit amen. Lève ta main là où tu es. Reçois cette grâce. La grâce de la vie de prière, de la vie de jeûne, par laquelle toutes les formes d'incrédulité disparaissent. Toutes les formes de l'incrédulité sont repoussées. Tu rejettes toutes les formes d'incrédulité. Lève tes mains et rends-lui gloire. Je te rends gloire, Père, dans le nom de Jésus, de ce que aujourd'hui tu me montres à quel point il y a un assassin de la foi. On appelle l'ennemi de la foi. On appelle l'incrédulité. Il se manifeste par le doute. Il se manifeste par la peur. Il se manifeste par les sens. Mais le juste ne vit pas par les sens. Le juste vit par la foi. Oh Dieu notre Père, à partir d'aujourd'hui, accorde à ce peuple, accorde à mon frère, à ma soeur, la grâce de protéger son cœur de toutes les formes d'incrédulité et de marcher dans une vie d'exploit, une vie surnaturelle, une vie de possibilité, car tu as dit, si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. À toi Dieu, seul sage, par Jésus-Christ qui nous rend capables. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la puissance, à toi la gloire, à toi les acclamations d'un peuple qui est sincère. J'ai dit acclame. Cette semaine, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu te donne la capacité de reconnaître l'incrédulité et de dire à l'incrédulité, stop, pas chez moi, pas ici. Quand l'incrédulité vient, tu dis non, n'aie pas peur, crois seulement. Oh, crois seulement. Exerce la foi, exerce la foi. Ne te fie pas à ce que tu vois, à la grosseur, à la tumeur, aux mauvaises nouvelles. Non, quel que soit ce qu'on t'a dit. Oh, c'est la phase terminale. Non, il n'y a pas de phase terminale. Avec Dieu, si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et c'est ton histoire, et c'est ton témoignage. On parlera de ta foi. Gloire soit rendue
Jésus, le Messie. Si j'ai parlé à quelqu'un, si tu as reçu ces paroles, donne un amen de foi. Ah oui, les amens de foi, c'est des amens prophétiques. Ça veut dire qu'on dit cette parole-là, ça me concerne. Je sors de cet endroit, pas comme je suis rentré, mais avec une foi plus grande. Je sais maintenant comment tuer les tueurs de foi, comment bloquer l'incrédulité. C'est ton histoire, c'est ton témoignage. Si je parlais à quelqu'un dans l'amour, amen pour toi-même. La qualité de ton amen détermine ton niveau de foi. Oh! Marie a dit à Gabriel, cette parole, elle me semble presque impossible, mais moi je choisis de croire en cette parole prophétique. Je te dis que désormais tu reçois une grâce que tu n'avais pas, la grâce de bloquer toutes les formes d'incrédulité et d'intensifier ton niveau de foi. Alors pour la dernière fois, si c'est à toi que je parle, donne un amen de foi. Si tu as reçu quelque chose, lève tes mains et rends gloire à Dieu. Rends grâce à Dieu qui t'a parlé ce matin. Il te rend capable. Cette parole que tu as entendue, elle t'accorde la capacité de devenir ce que tu as entendu. Et lève tes mains, apprécie Dieu. Rends grâce au Père, glorifie Jésus. Honore le Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit. Excellent Père, nous te sommes reconnaissants. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que tu as levé tes mains? Est-ce que tu as levé tes mains? Tes mains sont précieuses. Il a dit élevez des mains pures, sans colère, sans arrière-pensée, sans colère. Et lève tes mains, rends-lui gloire. Apprécie Dieu, bénis Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, nous te sommes reconnaissants. Nous t'avons prié, nous t'avons béni soit ton nom. Toi qui envoies ta parole, c'est poussé par le Saint-Esprit. Pas par le pasteur, mais par le Saint-Esprit. Que nous avons parlé de la part de Dieu. À Dieu soit la gloire. À Jésus le Christ soit la gloire. À l'Esprit de Dieu soit l'honneur, appréciation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprécie Dieu ce matin? Béni soit ton nom. Célébré soit ton nom. Dans le nom de Jésus le Christ, nous sommes reconnaissants. Nous t'avons rendu grâce et nous avons reçu cette parole. Elle garde, elle reste dans nos cœurs et tu nous accordes la grâce, Père, de garder le dépôt de tous nos cœurs. Tu as commencé cette belle œuvre en nous et tu es fidèle pour l'achever. À toi l'honneur, la puissance, l'autorité, le pouvoir, la gloire, la force. Merci. Toutes les situations. Je parle à quelqu'un maintenant. Il y a quelqu'un, quelques-uns d'entre nous ici ce matin. L'ennemi est assis dans ta maison et en train d'oppresser ta maison, oppresser tes affaires, ta santé, ton foyer, ton mariage. Cette semaine ne passera pas sans que la puissante main de Dieu ait frappé et jugé toute entité démoniaque qui s'est levée contre toi. La fin de la semaine ne passera pas sans que Dieu ait visité ta maison cette semaine. Comme tu es venu honorer Dieu, que Dieu t'honore cette semaine. Celui qui reçoit ces paroles, donne un amen prophétique. Pouvons-nous acclamer Jésus, notre Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Messie? Est-ce que dans les salles annexes, celui qui aime Jésus lui donne des acclamations? Donnons-lui gloire. Donnons gloire à Jésus, le Messie. Gloire! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Donne un amen pour lui! Jésus est le Messie.